Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Excellences, Monsieur le ministre d'État, représentant le chef de l'État de la République de Guinée, Excellences, Monsieur le ministre, représentant le chef d'État de la République du Ghana, Mesdames et Messieurs les délégués, représentant la majorité présidentielle, Mesdames et Messieurs les délégués, représentant de la coalition des 14 partis politiques d'opposition, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, pour la seconde fois en moins d'un mois, il m'est agréable, au moment où s'ouvre la seconde réunion du comité de suivi de la mise en œuvre de la feuille de route de sortie de crise sociopolitique du Togo, d'adresser mes remerciements à vous tous ici réunis, représentants de la majorité et de l'opposition, pour votre engagement à maintenir l'esprit de concertation et de dialogue en vue de favoriser une résolution de la crise sociopolitique au Togo. Je voudrais également saluer l'engagement sans faille des facilitateurs désignés du dialogue inter-togolais. Leurs Excellences Nana Dankwa Akufo-Addo, président de la République du Ghana, et le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, pour les progrès qui ont été enregistrés à ce jour. Je voudrais enfin témoigner ma gratitude aux représentants des facilitateurs désignés, Leurs Excellences M. Albert Kandapa, ministre de la Sécurité du Ghana, et M. Thibou Camara, ministre de l'Industrie et des PME de la République de Guinée, pour leur disponibilité constante et leur engagement personnel pour la résolution de la crise politique en République togolaise. Ils ont toujours répondu présents à chaque fois qu'ils ont été sollicités. Malgré leur agenda, vous pouvez imaginer extrêmement chargé. Mesdames et Messieurs les délégués, chers participants, conformément aux conclusions de la réunion du comité de suivi du 10 septembre 2018, la présente réunion du comité de suivi va se consacrer essentiellement aux questions liées aux mesures d'apaisement, au renforcement du processus électoral, en particulier le fonctionnement effectif de la CENI, avec une participation inclusive de l'ensemble des acteurs, au chronogramme des activités de la mise en œuvre effective de la feuille de route devant conduire aux élections parlementaires du 20 décembre 2018. Ainsi, après leur mot de bienvenue, les représentants des facilitateurs vont aborder les deux premiers points. Ensuite, la commission présentera le chronogramme des activités. Enfin, dans le cadre de l'appui aux processus électoraux, les experts électoraux et les experts constitutionnalistes seront également présentés. Mesdames et Messieurs les délégués, chers participants, je voudrais donc formuler le vœu que la seconde réunion du comité de suivi permette de faire des avancées dans la réalisation de la résolution de la crise et l'organisation d'élections libres, transparentes et crédibles afin de maintenir la cohésion entre les différents horizons de la société togolaise. Je vous remercie. Your Excellencies, and representatives of the Union Party and government, and also representatives from the coalition,
I have to thank all of you once again for your presence. The commitment which is demonstrated by your presence at our meetings is always encouraging. It gives us the assurance that we will be able to fully resolve the problems that we have. And I want to thank you for your presence. At the last meeting, I think we made considerable progress, even if you couldn't give specific answers to some of the issues that you raised. We did not give answers because they were issues that needed decisions from the facilitators themselves. And our promise was that we would relay the information, the issues, to the facilitators themselves, allow the facilitators to think through them and to get guidance from them before we come to meet you. We had, in fact, considered the possibility of the facilitators themselves coming to meet you at some point in time. I'm sure we will still be able to do that. As you are aware, the UN meetings are going on in the United States, and all the world presidents have had to go there. So I'm sure they will be able to come back and see you when they come back. But you know, we're working towards certain deadlines and within a certain time frame. So it is important that we are able to meet like this and agree on issues that have been thought through by the presidents, the two facilitators, and issues and decisions that they would want us to convey to you. That's what we hope to achieve this morning. So thank you very much for coming, and I'm hoping that my colleague, the minister from Guinea, after his welcome remarks, will proceed, as the president of ECOWAS said, will proceed to give you details of the major issues on which the presidents have taken some decisions and which they would want us to convey to you. So again, thank you very much for coming. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.